Les archéologues, appuyés par des données linguistiques, génétiques et culturelles, croient à trois grandes migrations venues d'Asie à des moments différents de notre histoire. Il y a 12 000 ans, avant l'arrivée des paléo-indiens, il n'y avait aucun être humain qui avait foulé le sol québécois. Alors, dès qu'il y a du caribou, les hommes vont suivre. Est-ce qu'il y avait des mammouths il y a 11 000 ans? Pour l'instant, on n'en a aucune trace au Québec. L'adoption de la poterie au Québec, la réponse officielle, c'est il y a à peu près 3 000 ans. Mais il y a toute une belle histoire autour de cette adoption de la céramique. Alors, pourquoi elle change, cette poterie-là? Bien, elle change parce qu'il semble y avoir des régionalismes qui apparaissent, le processus de régionalisation. Les gens échangeaient des matières premières et des objets avec leurs voisins et ça se fait depuis des milliers d'années. Les humains ne sont pas isolés, ils veulent communiquer avec d'autres groupes. Imaginez-vous, vous avez 180 beaux couteaux que vous pourriez convertir en pointe, en grattoir, en couteau, et vous décidez de les enterrer. Non seulement vous les enterrez avec le mort, vous les brûlez, vous les cassez avant de les enterrer avec le mort. On a longtemps pensé que le maïs, dès qu'il arrivait, il changeait tout. Et c'est totalement faux. Donc, ils ont goûté à du maïs, ils ont peut-être aimé ça, mais ils ont essayé de rester des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs irréductibles le plus longtemps possible. Au moment où les Iroquois vivent dans les maisons longues et cultivent la terre dans la vallée du Saint-Laurent, les Incas, eux, occupent le site extraordinaire de Machu Picchu, perché sur la cordillère des Andes. Ça a l'air d'un film, comme vous décrivez ça.